Dans cette étape du GNT, Sylvain Roger, vous présenterez Vanille du Dollar, cinquième dernièrement dans l'étape de Nantes. Qu'est-ce que vous pensez de sa prestation? Bon, la prestation était bonne. Elle a eu malheureusement mis au vent pendant plus d'un tour. Donc, on sait que c'est une jument qu'il faut impérativement cacher. Et le dos, le cheval qui était devant elle s'est rabattu, donc elle s'est retrouvée mis au vent. Mais la jument n'a pas démérité, elle est battue de peu pour la troisième place. C'est une épreuve qui allait très vite en plus, 13,5. Oui, voilà, donc ça bardait. Donc en dehors du gagnant, c'était très difficile. Bon, cette fois-ci, il doit rendre la distance. Bah, là, ce coup-là, rend la distance. On essaye de garder la pole position jusqu'au bout, donc on va courir quand même. Déférer des 4 deux fois de suite. Ouais, voilà, les pieds n'ont pas été abîmés à Nantes, donc je peux la déférer et mettre tous les atouts de mon côté pour espérer garder la tête au classement. Bon, en rendant 25 mètres, elle avait réussi à bien faire au Mont-Saint-Michel. Ouais, voilà, en faisant le petit parcours et en venant finir comme au Mont-Saint-Michel, elle peut accrocher une 3, 4, 5e place. Oui, guère mieux, parce qu'on a vu quand même que c'était assez compliqué désormais, se resserrait. Voilà, on n'a pas de marge, hein, et la jument, peut-être qu'elle arrive à la fin de saison, commence peut-être un peu fatiguée de tous les efforts à 10 km qu'elle a fait. Donc, mais malgré ça, elle a resté bien à l'entraînement.